Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Oui, en ce moment, il faut que je vienne avec maman faire les vidéos. Hein? Aujourd'hui, alors, ça va être la dernière vidéo de ce style. C'est le calendrier de l'Avent de la boutique Poussière d'Étoiles. Bon, comme d'hab, je suis en retard sur des paquets, mais là, donc, je suis en retard sur deux paquets et il en reste un à ouvrir aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir les trois paquets avec vous. Voilà, comme ça, je vais vous remontrer tous les cadeaux qu'on a eus par Sabine dans son calendrier de l'Avent. Je vous remettrai en barre d'infos les liens de sa boutique. Alors, la boutique est pour l'instant fermée jusqu'au 31 décembre. 5h, 17h, jour où elle va réouvrir sa boutique. Là, elle est en vacances, enfin, elle a le droit de se reposer, hein. Voilà, c'est normal. Donc, vous pourrez aller sur sa boutique à partir du 31 décembre, voilà. C'est mon petit pot de colle. Hein, ma fifi? Allez, maman, elle peut ouvrir ses paquets? Bon. Alors, oh, elle m'a fait... Tu m'as mouillé un paquet. Elle a bavé. La vilaine. Alors, il me reste donc trois paquets. Deux petits et un très gros pour le dernier jour. On va l'ouvrir en dernier. Alors, ça, c'était celui du 19. Oh, fifi, tu peux descendre un petit peu. Après, tu reviens. Tu veux? Allez, hop, 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 pouh! Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense savoir. Bon, tant pis, je déchire. Bon, alors, c'est bien emballé, hein? Ah, bah non, je me suis trompée. Non, je pensais pas. Ah, bah tiens, je suis contente d'en avoir un comme ça. Alors, c'est un enfil-aiguille, comme ceci. Alors, hop, vous voyez, le petit bout là, ici, pour enfiler l'aiguille. Et derrière, voilà, la petite encoche, ici, c'est un coupe-fil. Voilà, il y a une petite lame à l'intérieur pour couper son fil. Mmh, super, merci beaucoup. Et non, 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 mais... Excusez-moi, elle est en train de vouloir me boulotter les fils de l'autre jour. Mais c'est nouveau, c'est nouveau. Elle vient de sortir. Ah là là. Fifi. Allez, je vous ouvre celui du 21. Ah, ils sont bien emballés, hein. Hop là. Bah, du coup, je ne sais plus. Oui, par contre, côté emballage, il n'y a pas de souci. Tu as dû passer du temps à emballer tout ça, hein, ma Sabine. Des petits boutons, des petits boutons en forme de papillon. Oh, chouette. Ils sont trop beaux. Merci, merci beaucoup. Ils iront sur une création que je ferai en tricot, crochet, on verra. Tadam, c'est le dernier. Alors, là, je devine. Là, je devine. Ah, j'ai une pupus. Ah là là. Oui, là, je devine bien. Oui, c'est joli. Hop. Ah, bah. Ça va peut-être servir.
Alors, super. C'est une création, une broderie. C'est une grille que Sabine a créée. Voilà, je vous montre le dessin. Alors, vous voyez pourquoi je vous disais, les papillons en bois vont peut-être me servir pour décorer cette broderie. Elle est très, très belle. Alors là, elle est faite entièrement en noir. Donc, à voir. Moi, si je la fais, oui, je vais la faire. Mais je ferai certainement des couleurs dégradées ou voilà, la main peut-être en noir et après du dégradé pour le papillon, les fleurs, on verra comment je ferai. Alors, c'est la taille. C'est une 170 par 210 points. Donc, la couleur, c'est du noir, hein, le 310. Non, arrête de me boulotter les cadeaux à Sabine. Mais c'est nouveau, je vous dis, elle devient zinzin. Hein? Ouais. Tu deviens folle? T'aimes pas les cadeaux à Sabine? Vous aussi, ils sont bons, hein? qu'est-ce que j'ai. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Bah, je vous mettrai en incrustation la taille en centimètres. Voilà. Donc là, on a combien de pages? Donc ça, c'est la page 1. On a 11 pages. Voilà. Mais ça va, c'est pas quelque chose d'énorme à broder, donc ça va être très bien. Ben, écoute, Sabine, encore un grand merci pour ce calendrier de l'Avent. C'est le premier que j'achète, voilà, en mode loisir créatif. Hein, j'ai déjà acheté ceux avec des chocolats. La gourmande parle. Mais c'est le tout premier que j'achète sur un loisir que je fais. Donc là, la broderie. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as mis dans ce calendrier. Alors, je vais le remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Alors, je vais essayer de vous remontrer dans l'ordre, mais je ne suis pas sûre. Hein. Donc là, le dernier, donc c'était une grille de broderie dessinée par Sabine. On vient d'avoir. Hop, viens là, toi. Il ne veut pas. Les petits papillons en bois en forme de bouton. Donc, je pense qu'ils vont me servir pour la broderie. Un petit enfil-aiguille et coupe-fil. Un fil. Alors, celui-là va peut-être me servir pour la broderie. Un fil teint à la main par Sabine, donc dans les tons gris, du plus clair au plus foncé. Ah. Là, peut-être aussi, ben, je vais mesurer si j'aurai assez. Si j'ai assez, ben, je vais certainement le broder donc sur la toile en lin que Sabine nous a offert. Alors, du lin, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais bon, ça va, j'ai ma loupe. On a eu également un coupon de tissu, voilà, comme ceci, un 50-50 à peu près. Ensuite, on a eu un fil DMC, le numéro 115. Vous voyez, c'est le fil dégradé. On a eu également un très joli aimant à aiguille. Voilà. Un trifil avec 20 trous.
Une magnifique paire de ciseaux de brodeuse. Voilà. Coucou, vous voyez, je mets mes yeux entre les deux. Ensuite, on a eu un joli ruban d'organza rose. Et pour terminer, et ça, ça a été le numéro 1 du calendrier de l'Avent, une longueur de dentelle un peu bleu ciel. Voilà, en coton. Alors, je regarde que j'ai rien oublié. Non, il n'y a plus rien. Donc maintenant, je peux le jeter. Alors, Sabine, encore un énorme merci pour ce calendrier de l'Avent. Un double merci pour le temps que ça a dû te prendre pour préparer tous ces petits calendriers, tous les petits emballages que tu as fait. Vraiment, merci, merci beaucoup. J'ai hâte de pouvoir commencer ta broderie. Alors, je vais la commencer certainement bientôt. Mais bon, je vais voir. Parce que là, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais je vais glisser ta broderie entre deux. Donc, je te montrerai le résultat. Voilà. Bah, écoutez, moi, je ne peux que vous inviter à aller découvrir la boutique de Sabine. Donc, je dis le 31 décembre, la boutique sera réouverte. Vous pourrez y trouver dans cette boutique beaucoup d'aimants à aiguilles. Vraiment très, très beau. Vous pouvez y retrouver des grilles de broderie que Sabine dessine. De la papeterie également, des cartes, voilà, des petits carnets, plein de choses qui pourront vous plaire et puis pour vous faire des petits cadeaux, voilà, gâteaux, pourquoi pas. Et chaque mois, normalement, il y a une box broderie, une box aimant aiguille et une box papeterie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, on n'est jamais, jamais déçus. Voilà. Allez, je fais encore des gros bisous à Sabine. J'en profite pour lui souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et une très bonne fin d'année et de bonnes vacances. Surtout, repose-toi bien. Et vous, mes abonnés, je vous fais à tous de gros bisous. Et alors, si vous n'êtes plus là avant Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël, de joyeuses fêtes en famille, ou si vous êtes qu'à deux comme nous, comme Chouchou et moi, joyeuses fêtes quand même. C'est pas parce qu'on est qu'à deux qu'on ne peut pas faire de bonnes fêtes. Mais je sais pas, elle veut boulotter les articles du calendrier. Ou alors elle veut broder. Alors, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, une très bonne fin d'année, pour si vous ne me revoyez pas avant. Moi, je serai là, mais si jamais vous ne venez pas sur YouTube avant. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.